Jean-Marie Durand, bonjour. Tu es journaliste indépendant et tu as été invitée en tant que modérateur pour euh, la table ronde 4 du symposium international euh, Reflecting Residences, mmh. organisé par Art en Résidence Réseau National et en collaboration avec l'Institut français euh, et en partenariat avec euh, la Direction générale de la création artistique, ministère de la Culture et euh, le Carreau du Temple où nous sommes présentement. Euh, ce, cette table ronde est revenue sur euh, des focus inspirants mmh. Mmh. Euh, de, de six structures. Mmh. Euh, nous allons euh, donc euh, revenir euh, sur le contenu. Et je vais te poser une première question. En quoi ces, ces institutions euh, invitées, donc pour cette table ronde, sont-elles singulières euh, Et puis, euh, par ces exemples inspirants, euh, quels sont les signes euh, visibles de la vitalité de la résidence d'artistes aujourd'hui alors, je pense que le, la singularité de tous les projets qui étaient présentés dans ce cadre de cette conversation était, euh, disons, uni par, uni, par, déjà par une temporalité. C'était un peu le, la caractéristique commune, à savoir des projets tous assez nouveaux, récents, puisqu'ils ont tous été lancés euh, depuis deux ans à peu près. Donc, ils ont tous une, voilà, un âge assez, 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 assez limité. Enfin, C'est très jeune institutions, même si... Ça, il y a des, des programmes qui rentraient dans des, dans des institutions plus anciennes comme la Villa Kumiya, par exemple à Kyoto, qui évidemment va être beaucoup plus ancienne puisqu'elle va même fêter ses 30 ans l'année prochaine. Donc on voit bien que là c'est une structure extrêmement euh, établie, mais qui a lancé des programmes assez nouveaux. Et en fait tous ces programmes en fait qui étaient présentés étaient très différents les uns des autres. Enfin beaucoup étaient très différents. Il y en avait certains qui avaient des, des caractéristiques communes quand même, comme par exemple le fonds de dotation, accélération, le Centre Pidou ou le Carreau du Temple, ici même, qui, qui étaient des projets qui avaient euh, euh, disons un, un horizon assez, assez proche, assez commun, puisque l'idée dans l'une et l'autre institution était de développer des partenariats entre artistes et le monde des entreprises, qui est vraiment un, un, pour le coup une tendance assez nouvelle, disons, dans le, dans le, dans le, dans le paysage des résidences artistes. Donc elles étaient toutes assez différentes, mais donc voilà, toutes en tout cas jeunes. Donc c'était intéressant de voir aussi comment elles renouvelaient un peu une tradition. Un, J'allais dire, dire presque un patrimoine hein, euh, des résidences d'artistes, qui est une vieille histoire, histoire de l'histoire de l'art en France. Et là, on voit bien qu'aujourd'hui, bah, c'est un modèle, entre guillemets, qui euh, se renouvelle, se réactive, se, se, se déplace, en inventant des nouveaux modes d'organisation. Et, et, et c'était ça qui était, je trouve, inspi, intéressant et inspirant, de toute manière, dans tout la présentation de tous ces projets. C'est vraiment l'idée que la résidence d'artistes est encore un, un modèle qui peut se réinventer en permanence. On l'a vu, les artistes... Euh, ont une forte demande euh, toujours plus forte hein, pour euh, venir en résidence. Euh, tu le dis euh, il y a effectivement un renouvellement euh, des modèles, des façons de faire et de penser et de faire euh, la mmh. résidence. Est-ce que tu peux revenir sur euh, les différents modèles qu'on a vus là euh, euh, alors même que euh, leurs statuts juridiques sont extrêmement différents, nous Tout avons fait. vu, euh, euh, des, euh, des structures euh, portées par des collectivités territoriales alors que mm -hmm. ce soit euh, vraiment une municipalité mm -hmm. ou euh, des structures euh, plus étatiques plus euh, des fonds de dotation tu en parlais et aussi école d'art alors euh, est-ce que tu vois euh, euh, un, une, une des grandes idées qui sortent comme ça euh, de ces nouveaux modèles de résidence bah, Ce que je trouve intéressant dans tout ça, justement, c'est cet énorme euh, éclectisme des modes, des, voilà, des, des, des modes, même juridiques, comme vous le dites. C'est-à-dire qu'en effet, on avait dans cette table ronde autant de projets qui étaient issus d'écoles d'art, comme on avait celle de Clermont-Ferrand, qu'on avait un peu abordée, très intéressant d'ailleurs. qui un projet d'artistes dans d'autres pays euh, qui veulent développer vraiment le travail des artistes français à l'étranger, en Amérique du Sud, en, Amérique, en Afrique, en Amérique, etc. Mais également, en effet, des, des, des fonds de donc venues d'institutions euh, plus privées, voilà. Et puis également, euh, évidemment, des, des, de, de la part de les, des collectivités locales. La Villa Bloc à Poitiers en est un exemple assez paradigmatique, parce que c'est vraiment intéressant comment une ville, aujourd'hui, à partir d'une Villa, la Villa Bloc, euh, à ré, essayer de, de redévelopper, disons, un projet par, par, par rapport à ça, en invitant notamment, parmi d'autres dispositifs possibles, des, des, des artistes étrangers, des réfugiés notamment dans le cadre d'un projet plus global, le projet CORDE, d'accueil des villes refuges bon. Donc, une collectivité locale, mais on a également des, des institutions, j'allais dire, étatiques, puisqu'en effet, l'institut français, notamment, par exemple, avec la Villa Saint Louis au Sénégal, à, pas au Sénégal, oui, à Dakar, euh, peut euh, précisément accompagner. Des projets d'artistes nouveaux en essayant de développer voilà des, des, des résidences euh, là-bas, donc en Afrique. Donc on voit bien qu'il y a, oui, y a, ce, que je, ce que je trouve intéressant, c'est justement, il n'y a pas une caractéristique extrêmement fixe et rigide, mm -hmm. mais justement une sorte de souplesse et de, et de, de grande élasticité dans les, dans les, dans les modes d'organisation. Mm -hmm. Ce qui prouve quand même une chose, c'est que finalement, l'art et les artistes intéressent, j'allais dire, un peu toutes les, toutes les parties prenantes. Et c'est vrai que, de l'État aux collectivités locales, aux, aux, aux institutions muséales, aux, aux institutions privées, on voit bien qu'aujourd'hui, disons, l'attention euh, minimale, en tout cas portée aux connaissances de travail des artistes et à la possibilité de, les, de faire déployer leur, leurs gestes, aujourd'hui, est assez forte. Et je pense que, d'une certaine manière, on voit bien qu'en France, j'ai le sentiment qu'en France, alors peut-être qu'il faudrait affiner cette comparaison-là, mais par rapport à d'autres pays, disons qu'il y, y a une grande vitalité, de ce point de vue-là, en tout cas, dans, 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 dans le soutien aux artistes. Alors, en effet, on pense... Euh, on sent en tout cas une importance donnée au long terme. Oui. Alors je repense à, à la post résidence conçue justement par la Villa Kujuyama, enfin pensée par la Villa Kujuyama, parce que justement c'est depuis quelques années, deux ans à peu près, qu'ils ont développé ce projet-là de vraiment de suivi de l'artiste après sa résidence. Donc on pense à dur sur mesure, on est sur des formats plutôt à long terme. À Et selon toi, est-ce qu'il existe des tensions? Euh, entre local et global, euh, alors tu parlais de euh, la ville à Endar euh, à Saint-Louis au Sénégal, mm -hmm. qui en parle hein, de vraiment de l'inscription au niveau local et, euh, et du lien avec l'international. Est-ce que, en quoi ces ponts correspondent-ils aux, aux besoins des artistes euh, En quoi la résidence permet justement euh, euh, la, 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 la collaboration et euh, l'échange international mm -hmm. Bah, tu parles d'une tension, alors si on peut en reprendre ce mot-là, c'est une tension féconde, j'ai l'impression justement, j'ai le sentiment que l'idée, euh, par exemple, l'exemple le, le, de l'école des beaux-arts de, 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 Beaux de, de Clermont-Ferrand est un très bon exemple. Il y a vraiment l'idée chez eux, dans le projet en tout cas tel qu'il est défini, de, de se dire qu'un artiste français aujourd'hui euh, a absolument besoin de s'ouvrir à d'autres horizons. À confronter à la fois ces traditions euh, esthétiques ou intellectuelles à d'autres euh, univers, j'allais dire, euh, sémantiques, esthétiques. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, être artiste, euh, c'est euh, évidemment aussi se confronter voilà, à d'autres cultures, d'où l'idée de, de, les, de les envoyer loin. Et je pense que cette confrontation-là, aujourd'hui, est évidemment nécessaire. Enfin, je veux dire, le global local, aujourd'hui, c'est devenu presque une tarte à la crème. Enfin, je veux dire, on agit globalement, on agit localement. Enfin, je veux dire, on, on pense tout ça de manière différente. Et je pense que cette mondialisation-là, évidemment, est nécessaire. Elle est souvent pensée comme une évidence quand on réfléchit. Mais après, quand on travaille, quand on se confronte mmh. aussi à deux types d'acteurs, à deux types d'outils, à deux types d'univers, de, de, je pense que c'est forcément enrichissant pour un artiste qui est, et c'est évident. Donc je pense qu'aujourd'hui, euh, ces échanges-là sont cosmopolites, comme on dit aujourd'hui, cosmopolites, sont vraiment nécessaires, absolument nécessaires. Ce que fait la, la Villa Kujoyama à Kyoto et de sa manière, est aussi symptomatique de ça. Il y a vraiment l'idée que le partenariat qu'ils ont développé avec la Cité internationale des arts, notamment, de faire venir un peu des artistes euh, asiatiques en France et de confronter Donc, voilà, ouvert, et manière, se confronter à ces univers-là. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, on est dans un monde de l'art évidemment complètement ouvert, et de cette manière, être artiste français aujourd'hui, c'est se confronter à ces univers-là. Donc évidemment, le global est un horizon, j'allais dire, euh, absolu.